ni par puissance, ni par force, mais par son esprit. Yes. Pendant la prière, neither tantôt, by power, nor by strength, but by the Spirit of the Lord. Pendant la, qu'on priait tantôt, j'ai reçu cette conviction-là que c'est vraiment par son Saint-Esprit. Je tiens à remercier Sylvia. C'est mon message. Your songs are my message. Gloire à Dieu. C'est vraiment par son Saint-Esprit. Amen. That's the Holy Spirit. Je veux juste vous faire une petite mise en situation de ce message. I'd like to just situate you with this message. Quand j'ai reçu le titre du message, when I received the title of this message, Psaume 23, l'Éternel est mon berger, it was Psalm 23, the Lord is my shepherd. J'ai reçu ça quasiment aussitôt qu'elle m'a demandé de venir parler. As soon as I was asked, it's like almost immediately I got the title. Et ensuite, and then following that, on a vécu des moments très difficiles. We lived very difficult moments. La santé, le mental, le moral, l'ennemi s'est acharné. Morally and mentally, the enemy was really attacking. Alors, je veux vous dire so I want to say, que Dieu est avec nous dans toute situation. God is with us in all circumstances. Il ne nous abandonne jamais. And he never jamais. Abandons us. Never. Alors, l'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Psaume 23. Psalm 23. On le connaît par cœur, hein? We know by heart, right? Est-ce qu'on le croit? Do we believe it? Il y a des fois que sometimes, les eaux sont pas paisibles. The waters are not peaceful. Qui a écrit ce psaume-là? Who wrote this psalm? David. David était berger. And David was a shepherd. Il était un bon berger. He was a good shepherd. Il était protecteur. He was a protector. Il connaissait chacune de ses brebis. He knew each one of his sheep. Il était dans la nature. And he was in nature. Donc, c'est un écologiste. So he was an ecologist. Il travaillait pour amener les brebis dans les bons champs. He worked to have his sheep, to bring his sheep to the right fields. Il épuisait pas les champs. Il épuisait pas. He didn't wear out the fields. Et il a appris à adorer Dieu. Je regarde là dehors, il pleut là. Grosse averse là. Seigneur, répands ta pluie sur nous. Yes, Lord, just pas par le plafond. Yes, let it rain, Lord. Donc David était un adorateur. David is a worshipper. Parce qu'il a appris à aimer Dieu dans la nature. Because he learned to love God in nature. Dans la vie de tous les jours. In his everyday life. Il a appris à combattre le lion. He learned to fight the lion. Parce que les lions venaient attaquer les brebis. Because the lions would come to attack the sheep. Donc, il a appris à connaître la nature de Dieu aussi. So he also learned about God's nature. Et dans toute cette période, and during this period, il a appris à servir Dieu à sa façon. He learned to serve God in his way. Et Dieu le formait. And God was training him. Parce que Dieu savait à quoi il l'appelait. Because God knew what he was calling him for. Et c'est la même chose pour nous. And it's the same for us. J'imagine que David devait vivre des fois de la tristesse parce qu'il était tout seul dans le champ. That there were times where David experienced sadness because he was lonely. Il a dû vivre du rejet aussi. He lived rejection. Saviez-vous que c'est sûr que je veux pas avancer des choses là, mais si on lit entre les lignes dans la parole. I don't want to really go forward and say, give my opinion on that, but it's, if we read between the lines in the Word. David était issu d'une autre mère que ses frères. David was from a
another mother than other than his brothers. Puis quand Samuel est venu voir Jesse, and when Samuel the prophet came to see Jesse, the father of David's father, il a demandé de voir tous ses fils. He asked to see all of his sons. Mais il a dit, est-ce que tous tes fils sont là? And then he said, are all your sons there? Are these all your sons? Puis là, Jesse, il a dit, ben non, j'en ai un là, qui est dans le champ. Là. And Jesse said, well, no, I do have one that's in the fields. Ben il dit, appelle-le, dis-lui de venir. And Samuel said, bring him. Vous savez, tell him to come. David, il n'était pas grand. David wasn't tall. C'était pas un géant. He wasn't a giant. Aux yeux des hommes, and in the eyes of man, de son père, of his father, de ses frères, of his brothers, il était juste bon à s'occuper des brebis. He was just good to take care of the sheep. Des fois, aux yeux des hommes, des humains, and sometimes in the eyes of man, in human, on n'est pas à la hauteur. On fait pas, really on fit pas dans le décor. Par, we don't fit. Mais aux yeux de Dieu, but in the eyes of God, Dieu avait un appel spécial pour David. God had a calling, a special calling on David. Et David avait besoin d'être formé. And David needed to be trained. Parce que dans la solitude, souvent, c'est là qu'on va chercher la présence de Dieu. It's often in solitude that we come to depend on the Lord, in we come to meet God in his presence. Donc David a eu besoin d'être restauré. So David was needed to be restored. Tout ce que je vous parle là, vous pouvez l'appliquer à votre vie. And everything I'm sharing here, you can apply it to your life. Dieu a besoin de nous former au travers des temps difficiles. God needs to train us in the midst of our trials, afin de ne pas gaspiller sa gloire. So that God's glory is not wasted. Quand on rentre dans notre appel, quand on va dans ce que Dieu nous forme à travers les années, and when after being trained for many years, when we enter in that calling in the Lord, on va être capable de porter sa gloire. We're able to carry his glory. Dans Jean 17, 15, ça dit Jésus est comme un bon berger, pris et prend soin de nous. Non, il n'est pas là. Jésus comme un bon berger, prie et prend soin de nous. Jesus like a good shepherd. He prays and he takes care of us. David prenait soin comme berger de la nature. David, like a good shepherd, he took care of nature. Des animaux. The nature of animals. Il les protégeait. He would protect them. Il protégeait l'environnement. And he protected the environment. Vous savez que Dieu ne regarde pas à notre condition et notre cœur. God doesn't look at our condition. Mais oui, il regarde notre cœur. Excusez. He sees our heart. Comme David veut dire bien-aimé. Like David, his name means beloved. Dieu regardait au cœur de David. God would see David's heart. Même s'il était dans le champ, Dieu ne méprisait pas David. God didn't despise him even if he was in the field. On va regarder le psaume 23. On va le mettre sur le tableau, s'il vous plaît. Psaume 23, verset 1. Ça We're dit, gonna look at Psalm 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. The Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. J'aime ça en anglais, comment ça dit? I love that in English. Je manquerai de rien. I will need nothing. Quand on passe des temps difficiles, là, when we go through hard times, c'est difficile de dire que on a tout ce qu'on a besoin. It's difficult, you know, to say we have everything we need. C'est là que la foi, that's where faith, et la confiance en Dieu entre en ligne de compte. And trust in God comes into play. Quand ça dit, le verset 2, ça dit,
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. In verse 2, it says, He makes me to lie down in green pastures and He leads me beside the still waters. Des fois, les eaux sont troubles. Sometimes those waters are troubling. Vous savez qu'un bon berger n'amènera pas ses brebis près des eaux troubles. And you know, a good shepherd doesn't bring his sheep next to these waters that are moving. Parce que si une brebis tombe à l'eau avec sa laine, elle va couler au fond. Because if a sheep falls in the water with her wool, she will sink. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour. One day someone told me. Quand tu es sur la montagne puis que tout va bien. When you're on the mountain top and everything's going well. Puis que tu sens que tu descends dans une vallée. And you feel you're going into a valley. Demande une vallée fleurie. Ask for a flowering valley. Ouais. Yes. Parce que c'est là qu'il y a le repos. Because that's where rest is. En passant, c'est mon premier mari qui m'avait dit ça. Il savait pas lui. My first husband told me that. He didn't know that he was saying that to me. Vous savez, ça dit dans la parole. Efforçons-nous d'entrer dans le repos. C'est deux mots contraires. Let us strive to enter into the rest. C'est dur d'entrer dans le repos. It's hard to enter rest. Dans mon travail, là, quand j'ai quelqu'un qui est stressé, là, in my work, when I'm with a client that is very stressed, c'est difficile de l'amener à se détendre. It's very difficult to bring that client to rest and to just sit back and rest. And rest. Aïe, 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 oui. Fait que je travaille fort, puis la personne aussi a travaillé fort. So I work very hard, but my patient also works very hard. Ça dit aussi dans le verset, il me dirige près des eaux paisibles. It says he leads me by the still waters. Mais il faut vouloir y aller, comme le chant disait ce matin. But we need to go. And we need to want to go to oui, the waters. Parce que des fois, dans l'agitation, on réalise pas qu'on peut s'apaiser. Because sometimes we don't realize it that we're so agitated that we don't realize that we can just sit down, sit and relax. Can I have the words again, please? Quand ça dit, je cherche. C'est psaume 23, OK. Quand ça dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. When it says, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, il Someone dit, said to me lately, l'ombre de la mort n'est qu'une ombre. The shadow of death is only a shadow. Parce que Dieu dit qu'on va vivre éternellement. Because God says we're going to live eternally. Puis qu'ici on voit de l'ombre. And so if we see shadow, c'est l'aile de Dieu qui nous couvre. It's just the Lord's wing, you know, that's covering us with his pinions. Qui nous protège. He's protecting us. Il nous garde. He's keeping us. Il nous amène dans les sentiers de la justice. And he brings us into the paths of righteousness. À cause de son nom. Because of his name. Pas à cause de nous. Not because of us. Et parce que des fois, on peut pas. Because sometimes we can't. On n'a même pas cette volonté-là. Sometimes we don't even have the will to do. Il y a des tornades autour de nous. There's tornadoes around us. Comment je vais faire? And we say, how am I going? What am I going to do to get out of this? Fait qu'il faut aller s'asseoir près des eaux paisibles. So we need to come sit next to the still waters. Mm. Puis c'est là qu'il va nous donner la victoire sur nos ennemis. And that's where he's going to give us the victory over our enemies. Il dit qu'il dresse une table devant mes ennemis. Says that he puts before us a table. Ouais, mais ça là, ça veut dire faire face. That quand means we. Quand t'as l'ennemi en that face means de toi, we look là, at him. When we see the enemy in front of us. Je lis ton regard. Check I le can mien. See, yes. Mon Dieu est plus grand que toi.
My God is greater than you. Traversez-vous des situations difficiles? Are you going through difficult situations? C'est la vie, hein? That's life, isn't it? Ouais. Tu sais, des fois, on pense que parce qu'on est chrétien, que tout va bien aller. We think that sometimes because we're believers, we're Christians, everything will be hunky-dory. C'est une illusion. But that's an illusion. Parce que Dieu est plus intéressé par notre perfectionnement que notre performance. God is more interested in our perfection, in working our maturity and our perfection, than he is in our performance. Oui. Vous savez, le caractère. You know, character. Le cœur. The heart. C'est ça qui est important pour That's Dieu. That's what's important to God. Si Dieu vous a donné des paroles prophétiques qui vous appelaient, it could be that God has given you prophetic words and was calling you. Mais retenez que Dieu a besoin de vous former. But remember that God needs to train you. Oui. Jésus a traversé le jardin, avant de se rendre au jardin de Gethsémani, il a traversé un dépotoir. Before Jesus arrived at the Garden of Gethsemane, he had to go through a junkyard. Oui. Puis ça, c'est signe que c'est ça la vie. That's On traverse des périodes difficiles. That's what life's all about, difficult times. Oui. Vous savez, David s'est pas caché. David didn't hide himself. Il a passé des périodes difficiles. He went through difficult situations. Il a été formé avant d'être roi. He was trained before he was anointed to be king. Il était très jeune quand Samuel est venu prier pour lui. He was very young when Samuel came to anoint him to pray for him. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est 13 ans avant qu'il devienne roi. I believe it was 13 years before he became king. Is that it? Oui. Is she right? Yes. 12 or 13? Yeah, c'est ça. Fait que David là, quand il a été formé là dans ces 13 ans là. So David, when he was trained during those years. Il devait se demander, coudonc, Samuel, il a prié que j'allais devenir roi. He must have asked himself over and over again. Samuel's anointed me to be king, but c'est quoi la joke? What's the joke here? I'm waiting. I'm still waiting. Je m'occupe des brebis. I'm taking care of sheep. C'est pas drôle, ça? That's not too funny. Mais c'est ça la formation. C'est dans l'humilité. But that's what training is. It's in humility. Ouais, parce que vous savez. Si on veut porter la gloire de Dieu, ça commence dans l'humilité. Ouais. Vous savez, le psaume 32 dit, c'est de David, poème. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. It's a psalm of David, and it says, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Pardonné. It's forgiven. David là, il a gaffé solide là. And David, he solide là. He really made a lot of mistakes. Mais il avait un cœur humble et repentant. But he had a humble and repentant heart. Pis c'est ça que Dieu voyait dans le cœur de and David. And that's what God saw in his heart. Ouais. Puis tu sais, David là, il a reconnu. Il a dit, heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. He said, blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity and in whose spirit there is no deceit. Wow! Il avait appris à connaître son Dieu. He learned how to know his God. Il savait que s'il courait vers Dieu, he knew that if he ran towards God, s'il était repentant, if he was repentant, il avait compris que Dieu l'accueillerait. He understood that the Lord God would welcome him. David, il jouait pas à la cachette. And David didn't play hide and seek. Dans le psaume 32, encore le verset 5, il dit, je t'ai fait connaître mon péché.
Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. In wow. Psalm 32, again, verse 5 to 8, he says, I acknowledge my sin to you and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. David connaissait son Dieu. David knew his God. Il connaissait un Dieu plein de miséricorde et de grâce. He knew that God was filled with mercy and grace. Je prie que vous, que chacun de nous, à un certain moment de nos vies, I pray that each one of us, at a certain time in our life, si on a besoin d'aller courir à Dieu, if we need to run to God, ayez l'audace de le faire. Have the boldness to do that. N'ayez pas peur de Dieu. And don't be afraid of God. Dans le verset 6, il dit, si de grandes eaux débordent, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse. Wow! Le verset 6, le verset 7. Oui, verset 7. You in time, David says, when you may be found surely in a flood of great waters, they shall not come near him. Mm-hmm. You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. Oui. Ça dit, tu m'entoures de cris de délivrance. Ça veut dire que David criait, songs of deliverance. Il criait. That means David was shouting. Il n'avait pas peur de crier à Dieu. He wasn't afraid to cry out to God. Quand on vit des moments de détresse, when we are living distress, je vous dis, par expérience, j'ai vécu mon message avant. By experience, I lived my message before I brought it to you. J'en avais plus de cris à un moment donné. I didn't have any more crying to do. Des cris, ils sortaient pas de ma bouche, mais mon âme criait pour Dieu. My soul was crying to God, but I couldn't speak anymore. Vous savez, pousser des cris de joie là, c'est pas facile. You know, shouting to the Lord in joy is not easy. Ça implique la confiance. It means you have to trust God. Faire confiance. To trust the Lord. Quand on est trahi par nos meilleurs amis. When we're betrayed by our best friends. Qui se disent nos meilleurs amis. Who say they're our best friends. Puis qui nous abandonnent. But who abandon us. Qui parlent contre nous. Speak against us. Vous n'avez pas vécu ça ici, hein? Oh non, c'est ailleurs que ça arrive. You haven't gone through that, have you? It must be somewhere else. Je pousse des cris de joie. But I speak and I shout to the Lord. Puis quand j'en ai pas la force physique, and when I don't have the physical strength to do it, je vais m'asseoir. I'm going to sit down. Et je cherche les eaux paisibles. And I look for the still waters. Puis j'ose aller boire de ces eaux-là. And I'm audacious enough to go drink at those waters. Vous savez, on m'avait donné jusqu'à 4 heures. I was given till 4 o'clock. J'ai presque fait le tour. I'm almost finished my message. Mais le Saint-Esprit, lui, il n'a pas fini. But the Holy Spirit, he's not finished. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire en chacun de nous. And there's some a work that the Holy Spirit wants to do in each one of us. Vous savez, Dieu nous connaît. God knows us. Il connaît ce à quoi il nous appelle. And he knows what he's calling us to. Il n'y a pas de grands ou de petits appels. There's not a big calling or a small calling. Il y a ce que Dieu a placé dans nos cœurs. There's only the calling that God has put in our hearts. Avez-vous le syndrome de l'imposteur? Do you have the imposter syndrome? Que vous vous sentez jamais à la bonne place au bon moment? That you feel sometimes you're not in the right place or at the right moment? Qu'est-ce que t'es toi là pour parler là aujourd'hui là devant les gens? Who do you think you are to be talking today?
puis de parler là au monde là and to be talking to these sur internet là puis qui vont entendre ça là even. Qui je suis un enfant de Dieu I'm a child of God qui aime Dieu who loves God qui m'a dit un jour que j'allais parler devant des gens and he told me one day I would be speaking in front of people c'est pas dans ma force it's not in my strength c'est pas dans ma puissance it's not in my power mais c'est par son Saint-Esprit but I know it's by his Dieu spirit. A placé dans vos cœurs and God has placed in your hearts dans vos cœurs les gens qui écoutent in your hearts you on the internet quelque chose c'est lui qui l'a placé he's placed something in your heart acceptez-vous avec humilité accept yourselves with humility dans ce que Dieu vous a appelé et vous a créé in what God has called you and created you for Saint-Esprit viens Holy toucher Spirit, les cœurs maintenant come touch hearts les gens sur internet qui écoutent and the people that are watching on internet vivez-vous du rejet are you living rejection avez-vous été humilié have you been humiliated jamais à la hauteur you feel you're never up to par vous êtes un nouveau chrétien maybe you're a young believer et vous vous dites voyons donc pour qui je me prends and you're saying who do I think I am I'm new ouais mais regardez David but look at David il a été roi he became king ouais roi de Jérusalem et ensuite roi d'Israël king of Jerusalem and after king of Israel vous savez là c'était pas un petit appel là. That wasn't a small calling. Puis on m'a déjà dit un jour plus grand est l'appel and someone told me one day the greater the calling plus grand est la formation the greater the training donc c'est un privilège que Dieu nous forme so it's a privilege that God is training us je veux vous encourager I want to encourage you today parce que la formation c'est pour sa gloire because training is for his glory c'est pas pour la nôtre not for ours non pour nous c'est l'humilité for us it's humility puis good and good on veut être capable de porter sa gloire we want to be able to carry his glory on veut le royaume de Dieu we want the kingdom of God on veut pas une église we don't want a church on veut pas une organisation we don't want an organization on veut le royaume de Dieu we want the kingdom of God qui est la joie la paix la patience which la bonté joy and peace and patience et la bénignité et la tempérance goodness temperance puis Dieu a besoin de former ces choses-là dans nos and cœurs and God needs to form to train those things in us to form moi, them moi je suis pas fière d'un moment donné pendant la grosse période là difficile là dernièrement I'm not very proud of myself for what I've just been through recently. J'ai vécu une grosse colère. I really became angry. Après quelqu'un. I was angry with someone. Dans l'après-midi, j'ai rappelé la personne. And in the afternoon, I called the person back. Je me suis excusée. And I excused myself. Et j'ai reçu tellement de... c'est quoi le mot? La bénignité. And I received a lot of, I was welcomed and blessed. La bénignité, c'est de rendre des grandes choses petites. And it's a goodness of some sort. It's ouais, a goodness la bénignité, that brings big things very small. Et ouais. Puis la dame m'a dit, je vous comprends. And the lady said to me, I understand. And she, I understand elle a partagé son cœur. And she shared her own heart with me. C'est là quand on est capable de reconnaître qui on est. You know when we can understand or recognize who we are in reality, who we really are. Où on en est aussi. And where we're at. Dieu est là. God is there. Il prend soin. And he takes care. Il apporte de la guérison. He brings healing. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas. Mais ce que je sais,
c'est que Dieu est avec vous dans ce que vous vivez. I don't know what you're going through, but I do know that God is with you. Vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais 23 ans. You know, when I received the Lord as my Savior, I was 23 years old. Ça fait longtemps. It's a long time ago. J'étais une maman à la maison. I was mother at home. Je me sentais pas utile. I didn't find myself useful. J'apportais pas la parole. And I was not sharing the word. Je faisais à manger, je faisais du ménage. I would housekeep and cook. Changeais des couches. Change diapers. Puis c'est là que quelqu'un me dit un jour que j'allais parler devant des gens. And that's when someone told me that I would be speaking in front of people. Ben oui. And I said, oh yeah. Mais Dieu avait besoin de moi à cette époque-là pour faire ce que j'avais à faire. God needed me to be where I was to do what I had to do. Trouver ma valeur là. Find my value there. Comme David qui était dans le champ avec ses brebis. Like David that was in the fields with his sheep. Dieu l'a formé. And God trained him. Dieu m'a formé. God trained me. Et maintenant, je parle devant les gens. And now I'm here speaking in front of people. Puis non, gloire, c'est vraiment gloire à Dieu. Merci. It's really glory to God. Oui, parce que c'est lui qui m'a formé. Because it's him that trained me. J'ai souvent eu à me remettre en question. Many times I've examined myself. Je me disais, moi. And I would say, me. Il me semble que j'ai pas le cœur pour ça. I don't. It doesn't seem to me that I have the heart to do that. Puis là, je me compare. Oh, il me semble que telle autre personne est bien meilleure que moi. And then I compare myself with others and say, well, she must be much better than me. I think this one is much better than me. Puis là, oh, ben oui, mais cette personne-là, là, est recevante, puis elle hug les gens, là. And yes, this person here, she's very welcoming and really has a great hospitality gift. Moi, j'aime pas ça, faire des câlins. I don't like hugging, personally. That's how it is. C'est comme ça que je suis. Mais j'aime à ma façon. But I love people. Puis vous but savez, my way. Vous savez que il y a dans le monde chrétien, you know, in the Christian world, il y a des patterns. There are patterns. Comme dans le monde. Just like in the world. Je dis pas que les chrétiens font comme les gens du monde. J'irai I'm pas là. I'm not saying that Christians do like the world. Mais je dirais que si on fait pas comme le pattern chrétien, on se fait poser des questions. But I would say that if we don't do it according to the Christian pattern, then we're asked a lot of questions. Vous savez là, on est tous différents. We're all different, you know. Puis faut pas essayer de se conformer à l'image que les gens. And we can't try to conform to the image of someone else. De ce que les gens s'attendent de nous. Or of what people expect of us. T'es une femme de pasteur là. You know, a pastor's wife. Mais je savais pas que c'était un ministère ça. But I didn't know that was c'est a ministry. C'est pas dans la Bible ça, femme de pasteur. That's not in the Bible. Sorry, moi je suis la femme de Gaston. Wife. Sorry, but I'm Gaston's wife. She's Gaston's wife. Yeah. Phew! Es-tu content, Claude? Vous savez, Dieu nous a appelés pour une chose en particulier. You know, God has called us, has called you for a very particular thing. Il faut rester authentique. And you have to stay authentic. Stay real. On est qui on est. We are who we are. Puis je me suis souvent. And many times I would whip myself. Je me fouettais parce que je me disais, bon là, force-toi un peu là. Because I'd say, well, come on, make an effort. Mais oui, mais c'est dur pour moi ça. But that was very hard for me. Puis j'aime pas moins les gens. I don't love people less for that. Mais j'aime à ma façon. But I love my way. J'aime cuisiner pour les gens. I love cooking for people. J'aime recevoir les gens. I love having people over. Mais
Les gros câlins, là. But big hugs. Pas capable. Désolée, là. Je veux pas vous décevoir, mais c'est ça. I don't want to disappoint you, but that's the way it is. Il y a une expression en anglais, oui, puis mes enfants, puis mes petits-enfants. And my kids and my grandkids, yes, I can tell them. Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, c'est « What you see is what you get ». Il n'y a pas de game, là. There you go. Je joue pas de jeu. J'ai trop longtemps essayé de faire comme si, puis j'étais pas bien là-dedans. Mm-hmm. I don't like to play games. Puis savez-vous quoi? Too many times I've tried to be like others. Puis je me suis ramassée en burn-out. But I ended up in burn-out. Ouais. J'ai été 2 ans. Trying là, to please everyone. J'ai fait time out. Mm-hmm. Plus capable. Puis là, j'ai appris à respecter qui j'étais. And 2 years ago, I learned a good lesson. I took time out and I learned to respect myself, take time for myself. Vous savez, David, là, c'est ça qu'il a fait. You know, that's what David did. Il s'est reconnu devant Dieu. He was able to see himself before God. Puis il n'a pas joué de game. Il n'a pas joué de And temps. He didn't play games. Mm. J'ai le goût qu'on prenne du temps. Pour juste laisser le Saint-Esprit. Do you have the song Rescue? Il y a une chanson que j'aime beaucoup. There's a song I really enjoy. C'est Lauren Daigle. C'est Rescue. Il y a les paroles en français et en anglais. The words are in French and in English. J'aimerais ça qu'on prenne le temps and pour I'd se like laisser us to take time. Imprégner de ça parce que Dieu, il nous a rescued. Réchapper. Let's just reflect and read the words and remember that God rescued us. Puis laissons le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs. And let the Holy Spirit work in your heart. Si vous vivez des périodes difficiles, dites-vous que Dieu vous tend la main. If you're going through difficult times, just remember that God is reaching out to you. Gardez cette pensée-là. J'ai vu ça passer la semaine passée. Sois en paix et laisse Dieu combattre tes combats. Last week, the Lord gave me that. Stay in peace and let God fight your battles. Mm-hmm. C'est Dieu. Il va envoyer des anges. On priait tantôt là, dans la salle, là, mm-hmm. On a vu des anges positionnés. Mm-hmm. We were praying before and we saw angels positioned in place. C'est ça que Dieu fait pour nous. And that's what God does for us. He nous, fights our battles. On a juste besoin de se reposer en lui. All we need to do is just rest in him. Ça a l'air paresseux un peu. Là. It sounds a bit lazy, doesn't it? Mais il nous dit, efforcez-vous d'entrer dans le But repos. But he says, strive to enter the rest. Pourquoi faut s'efforcer? Why do we have to strive? Parce que notre nature, là, on veut performer Because pour our Dieu. Nature is, we want to perform on for God. On est des fighters. We're fighters. Ouais, mais on a besoin de repos aussi. But we also need rest. Il y a un temps pour tout. There's a time for everything. Ouais, l'Ecclésiaste, il parle de ça. Ecclesiastes speaks about that. Okay, alors prenons un temps pour écouter la so chanson. So let's take some time now to just listen to the song. Puis après, je crois que Pastor Dave, Sandy, ils veulent qu'on prie pour vous. Fait que prenez le temps de demander au Seigneur. And afterwards, Pastor Dave and Sandy and a few of us would be willing to pray for you for whatever need. So let's just take time to rest in the Lord. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance. It cannot be covered over and over.
you're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. I hear you.